Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Art of Rally sur Xbox Series X. Alors c'est un jeu arcade, tout ce qui est rallye, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Hop, c'est parti, on va voir comment ça se passe. Graphiquement il a l'air pas mal tout. Alors je l'ai essayé un petit peu vite fait pour voir. Il avait l'air chouette, un petit peu arcade tout. Alors un mode carrière, mode contre la montre, les options... audio, on va baisser un petit peu parce que principal voiture principale, je vais un peu baisser pour qu'on m'entende quand même. Alors carrière, contre la montre, on va faire Finlande. Il y a l'air d'avoir pas mal le Japon. Ouh, ça a l'air sympa. Bonne petite musique derrière aussi. Météo, il y a pas mal de trucs à faire. C'est qu'il y a pas mal de caisses aussi. Alors, comment on fait pour envoyer, sélectionner le fantôme, ouais. Hop. Alors, par contre, comment on lance une partie? On dirait que ça se lance. C'est bizarre parce qu'on voit pas de bouton pour envoyer la partie là. Hop. On peut changer le temps. Alors, voir, sélectionner, réfléchir. Ouais, j'ai pas compris là. Parce que là, je peux choisir tout le truc, mais. Je peux pas envoyer une partie, j'arrive pas à comprendre. Mode personnalisé. Hop, par défaut. Pilotage. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air un bon petit jeu de rallye. Événement en ligne, option. Ce qui serait bien, c'est que je puisse envoyer une partie. C'est bizarre, j'ai pas pu envoyer une partie en ligne. Mode personnalisé. J'ai pas compris là, leur truc. Alors, hein, pour finir le premier 1, bonne chance, n'abandonnez jamais. Alors, il y a un petit côté fun, même s'il est arcade. Alors, on va faire le premier, hein. De toute façon, on n'a pas le choix. Mode, ouais, débutant, voilà, on peut choisir sa caisse. En principe, je prends quoi? Ouais, je prends une petite Porsche. Ouais, je peux pas la prendre, c'est surtout que je peux pas la prendre. on va prendre celle-là, t'es. C'est parti. Par contre, le temps de chargement il est un petit peu long pour un petit jeu. Il va falloir débloquer chaque coin. Alors, j'ai joué un petit peu vite fait. On va voir comment ça se passe. Rally 1. Voilà. Commencer spécial. D'accord. Allez, c'est parti. Alors, on voit bien que c'est bien arcade. Hop, alors les sensations elles sont pas mal, bon à part que je me suis foutu en l'air là. C'est la prise en main, je sais pas s'il y a d'autres vues par contre. Non, on dirait qu'il y a que cette vue. Hop, ah, les boutages sont, ouais, sont en plus, par contre le gameplay y est, hein. J'avais déjà joué et c'est vrai qu'il était pas mal. Là c'est fun. Toujours pareil, il va falloir faire des petits chronos sympas. Hop, ah j'ai fait un succès rien qu'en sortant une boss, ok. Oula, par contre, tout ce qui est virage, pas évident à prendre. Alors toujours pareil, c'est plus facile avec un petit volant qu'avec une manette. Surtout que là, la vue, elle est pas tip top quand même. C'est pas évident de jouer comme ça. Moi, j'aime bien jouer avec la vue capot. Après, ça reste un petit jeu cool. Le jeu est gratuit sur le Xbox Live. Si vous avez le Game Pass, toujours pareil. On va essayer de, pas essayer de se foutre en l'air. Ouais, ouais, il est assez fun quand même. Hop, peut-être c'est mieux de passer avec en manuel peut-être, je sais pas. En passant les petites vitesses, je sais pas. Hop, on va essayer de passer ce côté là. Vraiment, tout ce qui est vibration, c'est pas mal. Moi, d'habitude, moi qui mets. Il me plaît avec ça. Là, on sent bien la sensation de la caisse, tout, même mieux que sur un dirt presque. Hop. Par contre, pour passer les vitesses, pour passer tout ce qui est virage, c'est pas évident. Alors peut-être comme ça, je vais essayer, je vais changer un petit peu, je vais faire la Fast and Furious. Hop. Non, ah, non, c'est pas bon du tout. J'arrive pas à la faire glisser la caisse. Je sais pas s'il y a un bouton pour le. Non, oulolo, alors là j'ai complètement raté. J'ai voulu essayer un autre truc. Par contre le trajet il a l'air assez long quand même.
Allez, quoi je vous dis, avec un volant c'est beaucoup mieux, parce qu'avec une manette c'est vrai que c'est pas, c'est beaucoup moins fun. Oulala, ou le virage. Alors dommage qu'on nous dit pas où c'est qu'on doit tourner, parce que là c'est vraiment, on va se démerder tout seul. Il n'y a pas de carte, il n'y a pas de, de copilote. C'est vraiment vous démerder pour trouver votre chemin. Allez hop. On voit bien que c'est arcade, hein. Les décors, tout. Je sais pas où c'est calé la ligne d'arrivée, mais il est pas là. Je vais essayer de finir. Ça doit être les points en bas, non? Ah non, ça c'est le passage vitesse. J'essaie d'aller assez vite. Par contre, il y a pas mal de petites voitures à débloquer. Vous avez vu, j'ai essayé de prendre la Porsche. Je n'ai pas pu la prendre. Hop. Est-ce qu'on peut couper? Je pense pas. À mon avis, je pense pas. On va prendre une pénalité, à mon avis. Par contre, la voiture, elle zigzag celle-là. Je sais pas si les autres, elles sont mieux. C'est une autre caisse pour voir, parce que celle-là... J'ai une ancienne Ford. J'ai pas bien vu c'était quoi. Comme voiture, je sais pas. Alors, j'essaie de me concentrer. Pour pas me foutre en l'air. Ça, c'est des jeux où il faut se concentrer. Pour faire un chrono, en principe. Là, bon, là... J'essaie pas de faire un chrono, c'est surtout de vous montrer ce qui gameplay. Il est sympa, comment? Ah, j'ai un autre petit succès. Alors, continuer. Ouais, on va continuer. Alors, est-ce que je peux changer de bagnole? On dirait qu'il y a deux étapes là, à cet endroit-là. Par contre, j'ai vu qu'il y avait plusieurs cartes. Il y avait le Japon, j'ai vu la Finlande. Là, hein, commencer la spéciale, les options, est-ce que je peux changer de caisse? Non, je peux pas, par contre... Hop, non, je peux pas changer de caisse, j'avais voulu changer de caisse, j'avais pas le temps de changer de caisse, c'est un peu dommage ça. Comme c'est un mode carrière, c'est un petit peu normal peut-être, peut-être que le fait que j'arrive à faire un bon chrono, je pourrais débloquer d'autres bagnoles. Mais il est fun, hein, pas mal, après c'est vrai que la musique dans un jeu de rallye, j'aurais dû enlever peut-être. Je commence à choper le coup un peu, à pas me foutre en l'air comme tout à l'heure. Par contre, le problème c'est que le freinage est trop sec. On va essayer de prendre un petit peu de vitesse. Ça c'est un bon petit jeu pour ceux-là qui aiment bien les jeux de bagnole en rallye. Ça va être fait pour vous, ça, je pense. Ouais, peut-être pas comme ça. La voiture elle a pas l'air de prendre de pète. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas d'autre vue. Non, il n'y a pas d'autre vue. Ah, le gameplay est chouette, ça va. Petit mal en route quand même, comme on dit. Petit jeu de mots hein, au passage. Beaucoup de petits virages, à mon avis. Il y a des endroits où ça va être très dur. Comme au Japon, j'ai vu là. La map, ça avait l'air assez balèze. Le tracé est pas mal, celui-là un peu plus facile, parce que le premier quand même était pas évident quand même le tracé, même si là il y a beaucoup plus en virage, c'est beaucoup plus fun et plus facile, ce qui est un petit peu bizarre. Par contre, ce qui manque c'est une carte, alors je sais pas si on peut le mettre, j'aime bien, il y a un seul arbre, j'arrive à me le prendre. Voilà. Essayer de bien passer. Allez. Allez. On va arriver. Non. D'arriver, je sais même pas où c'est qu'elle est. Ça qui est un peu dommage, c'est qu'on sait pas où c'est qu'on est. On sait pas si on est au milieu de parcours, si on est à la fin du parcours. Parce que le problème, si on veut attaquer un chrono, c'est vrai que c'est pas évident de savoir. Ouais, il y a le public qu'on entend, ça j'avais pas entendu tout à l'heure. Ouais, on va essayer de passer tout ça. Un boutage de la caisse, c'est un petit peu bizarre aussi, c'est pas l'extasé.
exemple. Je m'en sors pas mal quand même. Même si je me suis. Si je me suis foutu en l'air deux fois. Par contre, c'est dommage qu'on voit pas des petits tonneaux comme ça. Quand la caisse est. Hein, je crois que je suis à l'arrivée. Et. Oh, con. C'est arrivé. Je m'en sors pas mal. Hein. Alors, un chrono. J'ai fait deuxième. Il y en a un qui a fait. Eric, non, il a fait premier. Alors, il y a un mode en ligne aussi. Alors, le problème, c'est que c'est les mecs qui jouent avec le volant, à mon avis, ils doivent faire des chronos de dingue. Ça va être sympa, quand même, jouer à plusieurs, voilà, ou en ligne, même quand même. Spécial, j'ai débloqué une bagnole, non? Ouais, le podium. Ah ouais, j'ai débloqué une nouvelle bagnole. Peut-être une autre, même, non? Ah ouais, j'en ai bloqué deux. Redémarrage restant dans la saison. J'ai débloqué pas mal de trucs comme je suis arrivé à deuxième. Ah mais c'est pas mal ça. J'espère que je vais pouvoir les prendre les caisses maintenant. Alors, je peux faire le deuxième. Voilà. Débutant, normal. Alors on va changer vitesse, transmission. On dirait qu'on peut changer les transmissions. Celle-là je peux la prendre. Ah non, c'est la transmission qu'elle a la caisse. Ah ça veut dire qu'il doit y avoir des bagnoles qui sont un peu plus. Je pense qu'elles vont plus vite, elles sont plus puissantes. Ah, le décor là, il va changer. Hop, mince, j'ai envoyé un peu vite. Ouais, c'est un bon, si vous aimez les jeux de caisse. Attends, c'est sympa. Ah, là, c'est pas la même bagnole. Par contre, elle a l'air un peu plus légère. Le décor, ils sont pas mal là, par contre. Ils sont un peu moins fades. Par contre, elle glisse plus vite. Elle est beaucoup plus rapide. On dirait. En pointe de vitesse, elle est pas mal. Hop. Allez, poussez-vous les gars. On se croirait dans Minecraft. Minecraft le. Laissez-moi passer. Oh là 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 là. Oh le public, je suis en train d'écraser le public là. Allez hop. Y'a pas de klaxon, non? Non, y'a pas de klaxon. Oh, je me suis pris un vieux rocher là. Hop. Alors par contre c'est un jeu qui se joue en ligne les gars, si jamais vous n'êtes pas en ligne vous pourrez pas y jouer, je vous le dis parce que ça m'est arrivé à un moment. C'est un petit peu dommage ça, des jeux comme ça là que des fois on fait, on est obligé d'être en ligne tout le temps. Ça peut arriver qu'on ait une coupure, qu'on ait plus internet, des choses comme ça et on perd tout, nos chronos. Un petit peu le bémol ça. Il me passait le virage là. Hop. On va y arriver, on va y arriver les gars. Il est pas mal celui-là. J'aime bien. Hop, j'ai bien rattrapé. Non, trop. L'accélération, ça va un peu trop vite. Oula. Et doucement pourtant. Hop, on va essayer. Par contre, il a l'air un peu plus long le parcours là. Ah, le petit problème, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas de carte. Ah, c'est ça le problème, c'est qu'il nous indique pas assez où c'est qu'on doit tourner. Ça aurait été plus fun parce qu'on aurait pu savoir où c'est qu'il fallait tourner. Alors que là, on le sait qu'au dernier moment. Ça, c'est un petit peu le bémol pour un jeu de rallye. J'aurais pu faire un petit effort là quand même. Ouh, pas mal, j'ai fait un 360 là. Bon, c'est pas trop le but quand même, mais j'ai réussi à rattraper la caisse. Ouh là là. Allez. Petite ligne droite sympa. On dirait que les décors ils changent, enfin le temps. Je sais pas si le temps il change au fur et à mesure, je sais pas, parce que tout à l'heure il n'y avait pas le soleil là. Allez, c'est parti. On est arrivé. Oula. Bon, la petite glissade. Pas trop aidé. Alors le frein à main, je sais même pas s'il y a un frein à main là-dessus. Ah, je coupais.
apparemment on prend pas de pénalité. Hop, et le public, hop, ah j'ai un succès. Un good driver, hop. Ouais, j'ai un autre succès. Ce qui est pas mal, ce qui a l'air d'avoir pas mal de petits succès. Si vous aimez faire ça, bah, je fais pour vous. Là. Un camion de pompier là, c'est quoi ça? Ah non, c'est un. Mais c'est bizarre, on dirait qu'on est dans les Pyrénées. C'est bizarre. Donc c'est un coin, on dirait qu'on est au Japon plutôt. Ouais. Allez, 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 on va arriver. On va arriver, les gars. Non, c'est pas ici, non. Oulolo. Ah, je crois que c'était la fin. Allez, allez, on va y arriver. On va y arriver. On va essayer de pas se foutre en l'air. Allez, c'est bon. On est arrivé. Hop. Il est dans le parcours. Putain. Allez, allez. Ah, ça y est, on est arrivé à la fin. Ouais, il est quand même fun, ça va. Le parcours est assez long en plus. Là. Hop. Là il y a deuxième manche spéciale à deuxième. Alors les gars, voilà, c'était pour le montrer, pour vous dire qu'il est sympa. Après, si vous aimez les jeux comme ça, les jeux de rallye, il va être fait pour vous. Petit jeu d'arcade, sympa. Voilà, sur ce coup, moi je vous dis à plus. Pensez à me laisser un petit like, pensez à vous abonner à ma chaîne. À plus, ciao.